Mes côtés, Manabeto. Bravo! Tout Christophe! Si, si! Oh, bon maï! Thank you.
Bonsoir. Bravo, bravo. Kangai ka bongo. Ni kai. Hey, attention. Mettez les shit. Baluka. Bravo. Faut bien que bien. Pour nos amis ivoiriens, eux qui nous ont procuré tant d'émotions la semaine dernière, mais qui malheureusement n'ont pu aller au bout de leur rêve égyptien, qu'à cela ne tienne. Un grand bravo aux pharaons d'Égypte, voilà pour ce qui est du football. Les lampions de la Coupe d'Afrique des Nations désormais éteints. Place à présent au titre de cette nouvelle édition, en compagnie d'Alain Osomba. Conférence humanitaire à Bruxelles pour la République démocratique du Congo dans le but de récolter des fonds à l'initiative de l'ONU et de l'Union européenne. Colette Brackmann, spécialiste de la région des Grands Lacs et journaliste au quotidien Le Soir, nous offre des analyses sur la situation en RDC. Votre rubrique hebdomadaire à la découverte de... avec Christophe Poutou, ce jeune judoka congolais qui vous mettra d'office KO. Et on terminera en musique avec Adolphe Dominguez et son groupe Wenge, Tonya Tonya.
découverte 2, gros plan sur un grand espoir du judo congolais. Son nom, Christophe Poutou, 20 ans à peine, mais déjà beaucoup de talent. C'est un reportage signé Alain Osomba, Blaise Ziblando et Eddie Boulouyo. Mardi soir, 18h, le rendez-vous était pris pour découvrir Christophe Poutou, ce jeune Congolais de 20 ans, arrivé en Belgique en 2002, et pour qui des mots comme Ipon, Tatami ou encore Moronté sont très familiers. J'ai commencé à faire du judo à Kinshasa. En fait, il y avait un club de judo et il manquait des combattants là-bas. Et moi, comme je faisais du jiu-jitsu, comme je suis supérieur en jiu-jitsu, et moi, on proposait de combattre pour eux et j'ai accepté quoi. C'est là où j'ai commencé à pratiquer du judo. D'entraînement en compétition, notre ami s'affirme au fil du temps comme un espoir pour le judo congolais, s'appuyant le plus souvent sur ses qualités physiques au-dessus de la moyenne. Les qualités de Christophe sont déjà la puissance, il est très 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 puissant. Il a une capacité de force incroyable, ce qui fait déjà un gros avantage, mais vu qu'il est quand même le judoka de haut niveau, travaille énormément la musculation, ils ont environ 2 heures par jour de musculation. Lui a déjà une force de la nature, donc la puissance est déjà très très importante. L'autre qualité, c'est la condition physique. Donc c'est vraiment les deux points les plus importants au niveau de la compétition pour un judoka. Donc il a la force, il a la puissance, et il a l'endurance, la résistance. Donc c'est ce qui lui fait donc un gros avantage. Judo, un terme qui au pays du soleil levant signifie voie de la souplesse, un sport qui procure confiance en soi et qui force le respect de son adversaire, mais aussi un art martial destiné à tous. Ça m'apporte beaucoup de choses, ça me permet d'avoir plus de confiance en moi et puis on peut pratiquer ce sport avec des hommes et des femmes et je sais pas, c'est vraiment enrichissant quoi. Et puis il n'y a pas de violence en fait dans le judo, donc c'est le respect de l'autre. Champion international et vice-champion de Belgique. Tu nous montres tes médailles? Oui, bien sûr. C'est la médaille d'or. Au championnat international, quoi, je suis champion international. Et ça, c'est médaille d'argent. Je suis vice-champion de Belgique. Ça. Reste ainsi à espérer que d'autres médailles viendront s'ajouter à cette collection et que ces prochains combats se termineront comme ceci. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en musique. On va leur mettre la patate. Qu'est-ce que c'est dit comme ça? Qu'est-ce que c'est bien cassé ça? Les deux. C'est le tonnerre! C'est comme ça. Deux attaques, il faut franchir à distance. Voilà! Ah non, il est rouge. Oh, sûr. Moi, il déborde. Je vais me mettre dans le coin. Oui. C'était pas mal ça, c'était pas mal. Voilà. Deux attaques. Pas mal du tout ça.
sur le bras. Gardez le bras. Et si tu vas dessus, attention à la contre-attaque. Voilà. Ressortir. Deux attaques, ressortir. Voilà. Et c'est comme ça, hein. Encore. Encore, il y a une ouverture à gauche là. Ce que tu sais, ce que tu sais. Quelque chose. Ouais. Ah Christophe. En ton temps, deux attaques, hein. Voilà. Ressortir, hein. Contre-attaque. Voilà, contre-attaque de suite. Va le chercher, va le chercher, va le chercher. Pas d'erreur, pas d'erreur. Lâche. Allez, voilà. Rouge, hein. C'est super rouge. Allez, ouais, excellent, excellent. Christophe, ton petit Selenagué là, à gauche. Voilà, un bon balayage là. Mets la pression. Mets la pression. Fais-le bouger. Allez. Dessus, dessus. Dessus. Christophe, t'es dessus, tu mets la pression. Tu prends le sec, Omi. Tu as le sec, Omi là. Christophe, tu gardes, pousse avec ton ventre. Christophe, tu pousses avec ton ventre, s'il te plaît. Pousse ton ventre. Point barre. Ah Christophe, attentif, hein, de suite dedans, hein. Voilà. C'est à lui de faire ça. Ça va passer ça. Christophe, tu ne te précipites pas.
Mais quand t'enclenches, t'enclenches, hein. Voilà, ça c'est bon, c'est même excellent. Pensez à la contre-attaque. Hein. Ouais. Sorti là. Hi, Christophe. Ouais. Hi. Pression, pression. Poussez, poussez. Cherche, cherche, cherche. Remonte, remonte. 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 Ouais, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Maintiens, maintiens. Maintiens encore. Ouais. Bien. Bravo, tu vas être. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Pression. Pression. Il a du muscle. Tire sur ton bras gauche. Plus fort. Monte l'épaule. Monte l'épaule. Monte l'épaule. Christophe, tu montes l'épaule, s'il te plaît. Dessus, allez. Dessus. Engage le talon. Allez. Allez, pousse sur tes jambes. Allez, Laurent, redresse-toi. Tes jambes, encore un peu, voilà. Allez, bouge. Laisse sortir, voilà. Tu tiens, tu dis. Mets la pression, mets la pression. Et... Allez, Yoran. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et... Deux, allez. Tournez, tournez, distance, distance. Allez. Distance. Et... Gère la distance. Hein. Mais... Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Allez, allez, bébé, Yoran. Allez, Yoran. Ne précipite pas. Allez. Allez. Christophe, c'est très bon. Tiens son bras. Tiens son bras. Assez. Ça va. Allez, c'est bien là. Récupère. Excellent. 13 points d'avance. Tu gères. Hein. Christophe, c'est pas bon, c'est excellent. Ne précipite pas. Tu prends ton temps là. Prends les jambes. Ouais. Dessus. Voilà, tu tiens maintenant. Allez. Voilà. Allez. Christophe, tu tiens. Allez. Allez, on s'arrache. Allez, pousse avec ton ventre. Pousse avec ton ventre. Tu me prends une photo? La dernière fois, elle a fait un interview. Ben moi, je suis là. Comment vous vous sentez? Allez, je suis un peu tout. Comment vous vous sentez? Bon, oui,
Alors, que pensez-vous de votre compétition ? Ici. Bon, monsieur qui interview, comment vous sentez ? Tu seras au micro après. Il faut aller poser la question à Marc. Marc et Francine. Ils sont très fiers de vous. Je vais filmer.
Il est pas bon, il est pas mauvais.
Hi, Chris. Hi, Chris. Bien concentré, je suis dedans. Chercher Sangaku. Premier atémi de la jambe. Démarre de la jambe. Trouve la distance. Jambe et puis le poing. Accroche le bras, accroche, oui, c'est pas mal. Allez, Christophe, Sangaku, Sangaku, va chercher. Accroche la jambe. Voilà. Accroche la jambe. Christophe, travaille avec tes jambes. Hein. Travaille avec tes jambes. Quelle est la date de mouvement, Christophe? C'est bon, t'es en 5 000, c'est tes enchaînements, tu trouves ta distance, commence avec la jambe, jambe, ouais, et sortir, y'a moi là, mais t'as mis, y'a mon tenu, distance, c'est pas bon, Christophe, tu perds ton temps, tu caes, oui, allez, tu vas l'avoir au poil, là. Je vais l'abandonner. Tu vas le faire abandonner. Ah ouais.
Encore
Pas de commentaire, vous êtes sûr? Non. Ça va. Christophe n'est pas bon, très bon. Thank you.
Salut. Ah, ça va. Hey Christophe. Oh, mince. Une troisième pénalité. Oh mince, une troisième pénalité. Il est sorti alors. Et pourquoi il a des pénalités? Je sais pas. Tu te remis de tes émotions? Ouais, ça va, pas de soucis. Tu n'es pas blessé? Non, ça va. C'est tout ce qui compte. Voilà. Tu as appris quelque chose? Bien sûr. Ah ben, c'est parfait. Ouais.
distance. Pour finir mon cours.